Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui pour cette session sur la réadaptation cardiaque chez le patient insuffisant cardiaque. J'ai la chance de modérer cette session avec Clément Delmas de Toulouse et puis on accueille pour cette présentation Romain Itier de Toulouse aussi dans le service de réadaptation cardiaque et puis je crois qu'il y a même au sein de ce service un rôle dans le suivi des patients insuffisants cardiaques, la télésurveillance et puis vraiment la réadaptation. Merci Romain. Bien, merci pour cette présentation. Donc, en effet, je suis praticien hospitalier dans le service d'insuffisance cardiaque, d'assistance et de transplantation cardiaque. Et depuis maintenant 2 ans, je travaille dans l'unité de réadaptation cardiaque ambulatoire. Donc, je vais vous faire une présentation sur la réadaptation cardiaque dans l'insuffisance cardiaque, notamment chez les patients insuffisants cardiaques avancés. Alors, une première diapositive. Si ça passe. Donc, une première diapositive assez théorique et formelle, mais rapide sur ce qu'est la définition de la réadaptation cardiaque, puisque c'est vrai qu'on a, et moi le premier avant, une image assez faussée de ce qu'est une réadaptation cardiaque, ou un projet en tout cas de réadaptation chez nos patients insuffisants cardiaques, avec une idée que finalement on fait pédaler le patient sur un vélo, et ce qu'on espère, c'est que l'épreuve d'effort à la sortie soit meilleure par rapport à l'épreuve d'effort d'entrée. Et si on se réfère par rapport à la définition du début des années 90 de l'OMS, on voit que c'est une prise en charge plus globale, puisque la définition est un ensemble d'activités nécessaires par une équipe multidisciplinaire pour influencer favorablement le processus évolutif de la maladie cardiovasculaire et donc de l'insuffisance cardiaque, pour certes améliorer l'état de santé de nos patients, mais surtout leur assurer une meilleure condition physique et sociale pour en tout cas leur permettre de rester intégrés dans la communauté et dans la société. Quels sont les 3 piliers importants pour la réadaptation cardiaque? Le premier, on le connaît, c'est le reconditionnement à l'effort basé sur un travail d'entraînement continu intermittent sur vélo, sur tapis, associé à du renforcement musculaire. Le deuxième, qui n'est pas négligeable dans le cadre de l'insuffisance cardiaque, qui est une maladie chronique, c'est l'éducation thérapeutique du patient pour bien sûr lui transmettre les compétences d'auto-soin afin de pouvoir prendre en charge sa maladie chronique et éviter les périodes de décompensation cardiaque. Et le troisième qui est assez important, c'est l'optimisation thérapeutique chez nos patients afin de lutter contre l'inertie thérapeutique que l'on connaît bien, avec justement cette adaptation de traitement suite à l'introduction simultanée ou séquentielle des 4 classes médicamenteuses, mais qui était fondamentale chez nos patients. Sur cette deuxième diapositive, je vous ai mis le lien en bas à droite de la cartographie de différents centres de réadaptation qui sont en France. Il y en a plus de 100 qui font de la réadaptation aussi bien complète qu'ambulatoire, avec normalement des durées de séances qui sont censées être plus de 20 séances pour un séjour, mais qui peut être prolongée notamment chez nos patients insuffisants cardiaques, où quelquefois il peut y avoir des séances qui peuvent être différées sur un état destiné de fatigabilité importante. L'équipe du centre de réadaptation est relativement classique, une équipe multidisciplinaire qui comprend infirmières, cardiologues, diététiciens et surtout kinés et enseignants en activité physique et adaptée. Alors, si on rentre dans la réadaptation, finalement, pour qui chez nos patients, pour qui il est important de faire la réadaptation cardiaque? Quand on regarde les différentes recommandations, notamment celle de l'ESC, il est certain que l'ensemble de nos patients insuffisants cardiaques doivent bénéficier d'une réadaptation. Un niveau de preuve élevé pour les patients avec une fraction d'éjection altérée ou modérément altérée, avec de classe 1A quand on se réfère aux recommandations de l'ESC, un niveau de preuve un peu plus bas pour les patients qui ont une fraction d'éjection, une insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée, probablement du fait que dans cette catégorie d'insuffisance cardiaque, il y a un profil et phénotype de patient assez différent. Et malgré le niveau de recommandation assez élevé, on se rend compte en réalité, selon les registres, qu'ils soient, on va dire, nord-américains ou anglais ou français, mais avec un peu moins de données, on a moins de 20% de nos patients qui sont adressés en réadaptation cardiaque. Donc déjà, c'est vrai qu'on a certains freins, manque de disponibilité des centres, des contacts pour adresser qui sont peut-être difficiles, mais c'est certain qu'on a une amélioration à faire pour prendre en charge nos patients insuffisants cardiaques et leur faire bénéficier d'une prise en charge qui est quand même avec un haut niveau de recommandation. Il y a relativement peu de contre-indications d'insuffisance cardiaque vraiment très décompensée ou une incapacité à réaliser des exercices physiques, mais qui est quand même à pondérer. Il est vrai que certains patients qui nous sont adressés dans le service, qui passent par les soins intensifs en choc cardiogénique, avec une découverte d'une insuffisance cardiaque chez des patients qui ont traîné leur insuffisance cardiaque déjà depuis plusieurs mois, bénéficient de curdamine, éventuellement l'imosimondan, et ils ont une faible marge
thérapeutiques avec souvent un profil tensionnel relativement bas. Ils ont perdu du poids, ils sont très fatigués. Et on trouve que quelquefois, il est assez opportun de les adresser après la période de stabilisation dans le service, bien sûr, dans le service, dans le centre de rééducation, afin de leur permettre d'une part de bénéficier d'un complément d'éducation thérapeutique, mais surtout d'optimisation thérapeutique et initier le reconditionnement à l'effort. Pour ce qui est d'une contre-indication avec la présence d'un thrombus intracardiaque, il est vrai que cette contre-indication est assez relative. Quand on a en présence d'un thrombus plan ultra-calcifié après un infarctus chez un patient sous anticoagulant, en tout cas, ça ne doit pas demeurer une contre-indication définitive. Quand est-ce qu'on peut adresser les patients? Relativement tout le temps, une fois qu'ils sont stabilisés, selon leur statut fonctionnel RHA, après une décompensation, avant ou après l'implantation d'un défibrillateur, pré- et post-assistance ou également pré- et post-transplantation cardiaque. Il faut vraiment retenir qu'on a en tout cas une amélioration à faire sur le nombre de patients adressés en rééducation cardiaque, la nécessité absolue, d'une part sur le niveau de recommandation, mais parce qu'il y a de réels bénéfices pour nos patients insuffisants cardiaques. Finalement, quand on se pose la question de pourquoi adresser nos patients en rééducation cardiaque, il est important de prendre en compte que quand même nos patients en insuffisance cardiaque avancée ont une diminution de leur capacité globale à l'effort et une tolérance qui est mauvaise, avec plusieurs mécanismes qui s'entrecroisent et qui s'auto-aggravent dans le temps. On sait que dans le cadre de l'insuffisance cardiaque, il va y avoir une limitation cardiaque qui elle-même va découler, en tout cas être associée à plusieurs types d'autres limitations, notamment les limitations au niveau des poumons, avec une limitation ventilatoire pulmonaire qui s'associe, mais également une limitation périphérique musculaire. En effet, dans le cadre de l'insuffisance cardiaque avancée, si on regarde le graphique en bas à droite, on sait que c'est une maladie évolutive, progressive, qui va s'altérer avec le temps, avec des périodes de décompensation et des périodes de stabilité. Et ces périodes de décompensation et de stabilité vont entraîner une altération des capacités globales à l'effort et va participer à un auto-entretien, une aggravation qui va altérer le statut fonctionnel du patient et par conséquent son pronostic. Et cet essoufflement dyspnée quand il y avait l'insuffisance cardiaque, vous allez avoir un patient qui va réduire son activité physique et qui va entraîner un déconditionnement musculaire. Il faut savoir que l'insuffisance cardiaque est certes limitée par le cœur du fait de cette pathologie initiale, mais surtout limitée par sa périphérique du fait du déconditionnement musculaire. Si on essaie de prendre en compte finalement tous les facteurs limitants qui expliquent la diminution des capacités fonctionnelles à l'effort, il va y avoir bien sûr la limitation cardiaque qu'on va avoir dans la prochaine diapositive, mais il va y avoir également deux autres types de limitations, la limitation ventilatoire pulmonaire et la limitation périphérique musculaire. Sur le premier type de limitation, au niveau des poumons, il va y avoir deux mécanismes, troubles ventilatoires et altération vasculaire globale. Sur le trouble ventilatoire, on sait très bien qu'il va y avoir des modifications au niveau des poumons, notamment une hyperactivité bronchique due à l'œdème qui participe à entraîner cette hyperventilation et hyperactivité, avec bien sûr une altération de la ventilation-perfusion, avec notamment dans le cadre de l'insuffisance cardiaque, les poumons qui vont être un petit peu moins bien vascularisés et les sommets des poumons qui vont être moins bien ventilés, avec une inhomogénéité des rapports ventilation-perfusion, associé à une perte de la compliance pulmonaire, quelquefois des altérations même de la compliance avec une performance des muscles respiratoires qui sont altérés. Il peut y avoir même cette dyspnée de Steenstock qui est due en fait à une mauvaise communication entre les récepteurs périphériques, chémorécepteurs, barorécepteurs, et les récepteurs centraux, dus notamment à du bas débit, et qui est un élément pronostique chez nos patients insuffisants cardiaques. Dans le cas de cette limitation ventilatoire pulmonaire, en plus des troubles ventilatoires, il va y avoir une altération vasculaire globale avec de l'inflammation chronique qui va se créer sur les cellules endothéliales de l'arbre vasculaire pulmonaire, qui participe nettement à entraîner une dysfonction endothéliale et donc une perte de la vasoréactivité et notamment de la vasorelaxation, qui participe à créer une résistance supplémentaire de l'arbre pulmonaire, auquel s'associe également une diminution du débit pulmonaire, une diminution de la circulation pulmonaire. Donc, en plus de cette limitation ventilatoire et pulmonaire, il y a l'autre limitation qui est quand même prépondérante chez nos patients insuffisants cardiaques, qui est la limitation périphérique musculaire. Il est vrai que l'on parle, notamment chez nos patients dans le cas d'une insuffisance cardiaque avancée, d'une réelle myopathie, puisqu'il y a vraiment une atteinte musculaire périphérique. Et quand on regarde sur l'image de droite avec une coupe microscope de deux quadriceps, à gauche chez nos patients insuffisants cardiaques et à droite c'est un sujet sain, on voit qu'il y a de manière visuelle et assez nette une diminution de la masse musculaire
avec notamment une diminution de la densité capillaire qui participe à avoir un muscle qui est de moins bonne qualité et qui participe à entraîner cette myopathie. Et vu que les myocytes sont en moins grande quantité, il va donc y avoir une captation de l'oxygène qui va être moins bonne et donc une diminution de la réserve et la différence artério-veineuse chez nos patients insuffisants cardiaques qui va être bien sûr aggravée par l'anémie. En plus de modifications vraiment musculaires périphériques, il y a une modification directement à l'intérieur, bien sûr, des cellules dans la chaîne mitochondriale avec des modifications métaboliques qui participent à créer une diminution de la masse mitochondriale et également du métabolisme oxydatif. Puisque les fibres musculaires chez nos patients insuffisants cardiaques vont être moins rentables, moins bonne quantité et un profil de fibres musculaires qui va être différent, puisqu'il va y avoir une raréfaction des fibres musculaires de type 1 qui sont en haut rendement énergétique. Donc, de manière globale, dans l'insuffisance cardiaque, une myopathie périphérique qui participe à l'imitation musculaire périphérique, auquel s'associe également une limitation ventilatoire pulmonaire. Et si on revient au mécanisme de la limitation cardiaque chez nos patients à fraction d'éjection altérée sur la diapositive, la partie à gauche, on voit qu'il y a un mécanisme qui est prépondérant, qui est notamment l'altération de la fonction chronotrope, puisque nos patients, du fait de l'hyperstimulation du système orthosympathique, vont avoir une tachycardie, associée notamment à une bonne réduction des récepteurs bêta. La fréquence cardiaque de repos va être plus élevée, et donc il va avoir une réserve chronotrope qui va être plus basse quand ils vont atteindre une fréquence cardiaque maximale. Il y a également une altération de l'inotropie. Si on regarde le graphique en bas à gauche de la diapositive, si un sujet sain lors d'un effort, il y a normalement une diminution du volume télésystolique, le ventricule gauche va mieux se vidanger à l'effort, alors que chez nos patients insuffisants cardiaques, si on regarde la courbe en rouge, il y a une mauvaise vidange de ce volume télésystolique qui participe donc à altérer le débit cardiaque à l'effort. Et bien sûr, dans le stade évolué de nos insuffisances cardiaques, il peut y avoir des altérations du ventricule droit, avec notamment une altération de la post-charge, notamment par les mécanismes adaptatifs, avec les pressions pulmonaires qui vont être élevées, avec l'hypertension post-capillaire. Également, le ventricule gauche peut comprimer un petit peu le ventricule droit et s'y associer également une perte de inotropie, une augmentation de la précharge du ventricule droit. Donc, dans le cas de la limitation cardiaque sur la diminution des capacités fonctionnelles chez nos patients, il y a altération de la fonction chronotrope, de l'inotropie, également une altération du ventricule droit. Juste de manière relativement rapide, on voit qu'il y a également ces autres mécanismes d'altération dans le cas de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, qui sont un petit peu plus complexes et multiples du fait des différents phénotypes et profils de patients qu'on va rencontrer, avec de manière globale, troubles de la relaxation de la compliance, un couplage vasculaire et cardiaque qui est mauvais avec une rigidité notamment de l'arbre artériel et qui participe à créer ces troubles de précharge et une mauvaise adaptation à l'effort. Si on revient après avoir vu les trois limitations cardiaques chez nos patients qui participent à altérer les capacités fonctionnelles, vous avez donc votre patient qui est adressé en réadaptation pour un projet de réentraînement, une évaluation clinique qui est relativement standard, son stade d'HA, sa fraction d'éjection. Ce qui est important de bien prendre en charge, de bien essayer d'identifier chez nos patients, c'est la notion de perte pondérale. Un patient qui a perdu pas mal de poids dans le cas d'une insuffisance cardiaque avancée, il va y avoir une prise en charge diététique, pardon, et également kiné APA qui vont essayer d'axer sur le renforcement musculaire. Chez nos patients porteurs d'un défibrillateur, c'est important de connaître en tout cas les zones de thérapie pour pouvoir rentraîner en sécurité. Un bilan sanguin est fait de manière systématique pour certes avoir les valeurs de NT-proBNP, de fonction rénale, d'ionogramme, mais également rechercher une carence martiale puisqu'on pourra les supplémenter. L'évaluation de la capacité respiratoire et pulmonaire par le kiné pour essayer de les réentraîner, notamment au niveau pulmonaire quand il y a vraiment une limitation à ce stade-là. Et une évaluation, on va dire, des capacités à l'effort, aussi bien par le test de marche qui va quand même être informatif, puisqu'on sait que dans les études, il y a une valeur pronostique où un test de marche inférieur à 300 mètres peut signer une mortalité de 10%. Et l'autre évaluation des capacités à l'effort passe par l'épreuve d'effort couplée aux échanges gazeux, qui est indispensable et qui doit être systématique chez l'ensemble de nos patients et qui permet de recueillir différents paramètres, que ce soit des paramètres, on va dire, classiques de tolérance à l'effort, mais également chez nos patients insuffisants cardiaques, bien sûr, de pronostic.
Sur cette diapositive, pour revenir de relativement simple, pour expliquer en tout cas l'intérêt de faire cette épreuve d'effort couplée aux échanges gazeux, c'est vraiment de mesurer ce pic de VO2 qui est le reflet de la capacité globale à l'effort, c'est comme le sommet de l'iceberg, ça permet de nous dire un petit peu comment l'organisme peut prélever l'oxygène au niveau des poumons, comment le cœur va transporter cet oxygène et comment le muscle va le consommer. Donc ça nous informe en tout cas de l'efficience des trois principaux acteurs dans l'effort, aussi bien le poumon, le cœur et le muscle. Et si on se réfère à la formule de la VO2, on sait que c'est le produit du débit cardiaque multiplié par la différentielle plasmatique artério-veineuse. Et on sait bien que ce pic de VO2 va aussi bien analyser comment les poumons vont métaboliser, en tout cas extraire l'oxygène, comment il va être transporté dans les vaisseaux, notamment en étant vigilant sur le taux d'hémoglobine qui peut perturber ce transport, comment le cœur va éjecter cet oxygène et comment le muscle va le métaboliser, notamment comment les mitochondries vont transformer cet oxygène en ATP. Donc il faut bien se rendre compte que cette épreuve d'effort qui va vous donner beaucoup d'informations, c'est le reflet de comment ces trois acteurs vont travailler ensemble pour générer un effort, aussi bien de l'extraction de l'oxygène au niveau des poumons qu'au niveau des muscles. Une fois que vous avez fait cette épreuve d'effort, il y a plusieurs paramètres qu'il va falloir extraire et qui sont importants, aussi bien chez notre patient atteint de cardiopathie, qu'elle soit ischémique ou insuffisance cardiaque, mais également pour pouvoir extraire des informations utiles pour essayer de stratifier le niveau de sévérité de cette insuffisance cardiaque pour proposer au patient le meilleur projet. Donc, une fois qu'on a fait cette VO2, on va avoir plusieurs paramètres. Un premier paramètre qui est le pic de VO2, qui va avoir une évaluation objective de la tolérance à l'effort et qui guidera donc un niveau de réentraînement de nos patients. Mais ce pic de VO2, il a une valence très intéressante pour nous dans le cadre de l'insuffisance cardiaque, puisque c'est un marqueur solide, brut, de mortalité. Et on voit bien que ce pic de VO2, lorsqu'il est inférieur à 14 millilitres minute kilo, ou lorsqu'il est inférieur à 12 ml chez les patients qui prennent des bêta-bloquants, signe un haut risque de mortalité à 20%. Il y a également un autre paramètre qui est intéressant dans le cadre du pronostic cardiovasculaire, qui est la pente VE-VCO2, et qui également, elle, a une valeur brute pour nous signer éventuellement un critère de mauvais pronostic. On peut retenir 36 sites sur la figure du milieu, un niveau à risque, ça peut aller jusqu'à 45 pour en disant que c'est un très haut risque, en tout cas, de mortalité. Et si on combine les deux, on le voit dans le graphique en haut à droite, qui est représenté par les valeurs dans le carré en rouge. Si on combine pic de VO2 altéré et pente élevée, on voit que c'est des patients qui ont un très haut niveau de mortalité. Et ces patients-là que vous allez dépister en réadaptation cardiaque, il faut être vigilant en se disant que c'est des personnes qui vont être à risque de mortalité et qu'il faut donc discuter éventuellement un projet plus abouti d'assistance cardiaque ou d'insuffisance ou de transplantation cardiaque. En plus de ces deux paramètres classiques qui se combinent, il y a d'autres marqueurs pronostiques, notamment le delta de rentabilité, on va dire, hémodynamique, c'est-à-dire une faible réserve chronotrope avec seulement une augmentation de 6 battements par minute, une faible élévation de la pression artérielle, d'autres paramètres de rentabilité, on va dire, d'efficience ventilatoire, où le OIS inférieur à 1,4 ou éventuellement un delta VO2 sur delta watt inférieur à 9. On peut aussi avoir d'autres paramètres respiratoires, une pression expiratoire CO2 inférieure à 33 mm de mercure, ou éventuellement d'autres paramètres en récupération avec un temps de demi-décroissance après le pic de VO2 qui met du temps à être divisé par 2 et on a un critère pronostic supérieur à 180 millisecondes. Donc, vous voyez que cette épreuve d'effort couplée aux échanges gazeux est importante à viser pronostique chez nos patients insuffisants cardiaques. Elle nous permet de rechercher certes les limitations, mais également d'envisager un programme de réadaptation personnalisé à travers notamment ce premier seuil ventilatoire où on va rentraîner nos patients. Pour illustrer un petit peu ce que je viens de dire, c'est le cas clinique d'une patiente de 44 ans qui nous avait été adressée de la médecine interne puisqu'elle était porteuse d'une sclérodermie systémique avec une atteinte biventriculaire sévère, une mode évolutive plutôt sur des arythmies supraventriculaires, une patiente qui faisait pas mal de handball avant qu'elle était professeure, une altération fonctionnelle marquée,
une faible marge thérapeutique avec seulement un traitement diurétique par aldactone et dapagliflozine qui était adressé initialement en cardiologie, puis secondairement en centre de rééducation pour qu'on puisse discuter de la prise en charge. Quand on revoit ici sur ce compte-rendu de VO2, la première chose qui est frappante, c'est vraiment une altération sévère de pic de VO2 qui était à 6,4 pour une norme à 27%. Des marqueurs pronostiques, que ce soit ce pic de VO2 inférieur à 14, mais également une pente à 56. Une limitation périphérique, on le voit avec un premier seuil qui est à 22% du pic, donc une altération majeure de son conditionnement périphérique. Elle s'associe bien sûr une limitation cardiaque avec un pouls d'oxygène qui est à 5,5 minutes par battement pour 54% de la théorique. Donc, quand on regarde finalement cette VO2, on est dans le cas d'une patiente avec une dysfonction biventriculaire sévère, une altération de ses capacités globales avec un pic de VO2 qui est à 27%, des marqueurs de mauvais pronostic importants, avec une limitation sur tous les plans, cardiaque, on le sait, avec un pouls d'O2 relativement bas, périphérique avec un premier seuil qui est à moins de 30%, et également respiratoire. Tout ça nous fait dire que cette patiente a été stratifiée comme haut risque de mortalité, avec une insuffisance cardiaque avancée, de mauvais pronostic, qui a justifié un projet de transplantation cardiaque après une phase, bien sûr, de réentraînement physique. Si on en revient maintenant au programme de réadaptation, vous avez fait la VO2, vous avez identifié des marqueurs pronostiques et donc quelles sont les modalités de réentraînement. Sur le réentraînement en endurance, il y a, on va dire, trois types de réentraînement: intensité constante, intensité intermittente ou intensité à haute intensité intermittente. Pour ce qui est dans les recommandations et dans les différents articles, il n'y a pas de niveau de preuve supérieur selon les différents types de réentraînement chez nos patients insuffisants cardiaques, que ce soit pour une amélioration du pic de VO2, de la fraction d'éjection ou de la qualité de vie. Chez nos patients insuffisants cardiaques, en général, c'est travail à endurance à intensité constante ou intermittente. En bas de la diapositive, pour le travail à haute intensité intermittente, il est souvent peu toléré, puisqu'en général, c'est des alternances de cycles relativement longs, de 4 minutes. Donc, il faudrait tenir quand même 4 minutes à 90-95% de son pic de VO2, revenir à 50-60%, et souvent, c'est peu toléré chez nos patients. Donc, si on se focalise sur les deux types de réentraînement, il y a le travail à intensité constante. On débute en général à 40% du pic de VO2 sur la puissance atteinte à watts. On peut augmenter progressivement 50 à 70% avec une augmentation également progressive de la durée pour une fréquence 3 à 5 fois par semaine. Et l'autre type de réentraînement, c'est celui à intensité intermittente. On commence en général à 85-90% du pic de VO2, puis après on va descendre à 30-40% sur des séquences de l'ordre de 1 minute 30 secondes en fonction de la tolérance des patients à 10 à 15 fois par séance. Donc globalement, on peut faire les deux types de réentraînement. Pour notre patiente, comme nous avons vu, atteint sclérodermie, pic de VO2 qui était à 7, un nombre de watts atteint à 60 watts. Donc on a commencé initialement avec du 20 watts, on a fractionné avec de l'intermittent 10-40 watts, qui a permis une amélioration, en tout cas une meilleure tolérance à l'effort. Il ne faut pas hésiter en tout cas à alterner, à changer en fonction de la fatigabilité de nos patients. Quels vont être les effets du réentraînement chez nos patients insuffisants cardiaques? De manière globale, en alternant travail à intermittence continue ou intermittent, on voit qu'on va avoir une amélioration de la fonction chronotope qui était altérée chez nos patients, avec une réserve chronotope qui va être majorée, puisque le réentraînement va favoriser notamment l'activité du parasympathique et faire baisser la fréquence cardiaque au repos, et donc avoir une amplitude de fréquence à l'effort qui soit meilleure, et donc qui participe à améliorer la tolérance à l'effort. Il va y avoir également, bien sûr, une amélioration de l'inotropie par une augmentation du débit cardiaque, une augmentation du volume d'éjection systolique et surtout une meilleure vidange du volume télésystolique à l'effort qui va donc participer à améliorer le débit. Et au niveau musculaire, c'est certain, il y a une lutte contre la myopathie périphérique chez nos patients insuffisants cardiaques avec une augmentation de la masse musculaire, une augmentation également des fibres musculaires de type 1 à meilleur rendement énergétique, une amélioration de la différence artério-veineuse, de la masse mitochondriale et du métabolisme oxydatif. Il va donc y avoir au niveau périphérique une amélioration, on va dire, du rendement énergétique de l'oxygène. Tout ça pour aboutir chez nos patients, certes, à une amélioration des capacités globales à l'effort, mais surtout une augmentation, on le sait, de 10 à 20% du pic de VO2 en général, qui s'associe à une augmentation de la qualité de vie, avec un
on sait une augmentation de 1 millilitre qui, en général, permet de faire diminuer la 16% de la mortalité. Et surtout, ce qui est important à prendre en compte, c'est chez nos patients qui sont répondeurs à la rééducation cardiaque avec une amélioration de leur pic de VO2, on voit très bien sur le graphique de 3 que les répondeurs améliorent leur pronostic. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça permet de déterminer un petit peu les profils de patients. Mauvais pronostic, mauvais répondeur, là, il faut qu'il y ait une prise en charge invasive. Mauvais pronostic, bon répondeur, en tout cas, surveillance active, voire projet de transplantation, mais en tout cas, le pronostic est amélioré. Bien sûr, en parallèle du programme de réentraînement, juste pour cette diapositive, rapidement, vous signalez que, bien sûr, c'est une prise en charge globale avec diététiciens, les kinés, les enseignants d'activité physique pour justement essayer de prendre en charge de manière globale les patients et améliorer, on va dire, leur tolérance dans le cas de cette maladie chronique. Il y a plusieurs objectifs. Les objectifs immédiats, on l'a vu, bien sûr, optimisation thérapeutique, bien sûr, des ateliers individuels et collectifs pour leur donner des connaissances et des compétences auto-soins, savoir se peser, réagir en cas de prise de poids, faire face à un régime hyposodé. Enfin, faire face à des moments où le patient peut être confronté au fait qu'il n'y ait pas de régime, enfin, excusez-moi, de sel qui peut être mis au cours d'un repas ou autre et savoir, en tout cas, y faire face. Donc, c'est vrai qu'il y a l'éducation thérapeutique qui est importante. Donc, pour conclure de manière assez rapide, il est important d'adresser nos patients à rééducation cardiaque. Je vous rappelle, moins d'un patient sur cinq est adressé. Elle fait partie intégrante du traitement. Ça améliore les performances, la qualité de vie, le pic de VO2 et donc le pronostic. Et elle permet surtout, en tout cas, de pouvoir déterminer les patients quand même à risque évolutif défavorable. Et pour illustrer, pour cette patiente qui a été greffée quelques mois après, on lui a refait la VO2 puisqu'on l'a repris une dernière fois en rééducation cardiaque. Et cette fois-ci, elle était passée de 6 à 17 de VO2, un premier seuil à 56%, plus de limitation cardiaque et bien sûr une pente qui avait diminué. Donc j'espère que j'aurais pu vous convaincre le fait d'adresser les patients en rééducation cardiaque, puisqu'on voit que quelquefois on a de beaux succès. Mais je vous remercie pour votre attention. Merci Romain beaucoup pour ce super topo, hyper clair et hyper pratique à la fois, parce que comme tu le dis finalement, même ceux qui sont insuffisants cardiologues ou presque, comme ça peut être mon cas, on n'est pas très très bon dans notre formation initiale et donc dans notre prescription de rééducation. J'ai deux, trois petites questions pour toi. Finalement, quels sont les facteurs limitants explicatif de pourquoi on n'envoie pas nos patients. Tu penses que c'est un manque de formation? C'est quelque chose que le clinicien qui fait pas de la rééducation comme toi connaît pas et ça lui paraît obscur et finalement j'ai la kyphosine qui va faire aussi bien et c'est plus facile à gérer et puis à appréhender. Comment tu vois ça? C'est vrai que je pense que, et moi le premier à être passé quand j'étais interne en rééducation, c'est vrai qu'on a une idée biaisée de ce qu'est une réadaptation cardiaque, puisqu'on y passe assez peu quand on est interne de cardiologie. Donc je pense qu'en effet, on a une mauvaise vision de ce qu'est un centre de rééducation cardiaque. Il était bien montré dans les études, en tout cas, que ce soit aux États-Unis et en Angleterre, également ce même taux d'adressage, et pour le syndrome coronarien qui est un petit peu plus élevé, qui est l'ordre de 30%, donc une méconnaissance. Je pense un facteur limitant qui est prépondérant, c'est quelquefois des services de réadaptation qui sont éloignés de nos structures, en tout cas que ce soit au CHU ou autre, où finalement qu'on n'est pas trop comment ça se passe et ça peut être abstrait. Une difficulté logistique qui est propre, à mon avis, aux facilités pour adresser des patients, puisqu'on a un logiciel qui est relativement pénible à remplir et je pense que ça y fait partir. Enfin, ça fait partie d'une des raisons pour lesquelles on n'adresse pas, parce que quand il faut remplir 10 pages sur trajectoire, c'est-à-dire un logiciel pour envoyer un patient avec le nom, prénom, les dates de naissance, enfin, le numéro de téléphone des patients, c'est un facteur limitant. Donc, je pense que c'est méconnaissance associée à quelquefois des structures qui sont éloignées sans trop savoir ce qu'ils font et une logistique pour adresser les patients qui est relativement pénible. Et donc, comment tu vois l'amélioration possible? Parce que moi, tu le sais, je suis peu compétent, pour pas dire incompétent, dans ce domaine que tu maîtrises parfaitement. C'est comment on fait pour progresser? Je pense que je suis pas le seul dans ceux qui regarderont la vidéo.
pour améliorer ça. Donc, il y a un facteur qu'on va pas trop maîtriser, toi et moi, a priori, qui est ce fameux logiciel trajectoire. Quoique, peut-être qu'on peut faire pression là-dessus. Mais finalement, c'est vrai que dans le syndrome coronarien aigu, je vais faire un petit parallèle, c'est un peu devenu assez classique. Il y a le basique R, où on évoque assez facilement la rééducation. Et pour ce qui est, par exemple, la décompensation cardiaque aiguë, qui est pour le coup une activité en insuffisance cardiaque où je participe, on pourrait très bien avoir appel CEPI, qui est le centre d'éducation et la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, que tu coordonnes aussi, et avoir une petite case à cocher, rééducation. Ou tu crois qu'il y a des Oui. facteurs limitants ensuite de logistique, que ce soit sur ton centre ou les autres centres qui gravitent autour de Toulouse ou dans Toulouse? Mais disons que c'est vrai qu'il y a le facteur en effet trajectoire et autres. Après, quelquefois, il y a le délai d'attente. Et c'est vrai que quand on a 2 mois de délai d'attente, au bout d'un moment, bon, c'est passé à l'as, le patient oublie. Et donc, c'est vrai que il serait plus que pertinent que le patient soit, à mon avis, de notre côté, un peu plus informé sur la rééducation cardiaque, qu'il sorte avec ce qu'on aimerait, une ordonnance de rééducation que lui puisse garder et prendre en compte, qu'il comprenne quand même que c'est fait partie au même titre que les traitements médicamenteux qu'il faut le faire. Un livret d'informations avec de l'activité physique à faire à la sortie quand il n'y a pas de parcours de soins établi direct entre le service d'hospitalisation. C'est une idée qu'on est en train de faire, en effet, c'est que le patient puisse sortir du service avec son ordonnance de réadaptation cardiaque et du centre où elle a été demandée avec un numéro de téléphone pour qu'il l'appelle et un livret, on va dire, de réentraînement, de explicatif pour ce qu'il peut faire à la maison de manière progressive, marcher 10 minutes par jour, augmenter progressivement de 5 minutes, associer des exercices de renforcement musculaire, mettre à profit le retour à domicile en attendant le séjour de réadaptation. C'est ce qu'on est en train de discuter pour ces patients, pour justement qu'il y ait un meilleur taux de patients adressés en rééducation. Bon, compte sur moi, en tout cas, quand je reviens, pour essayer d'implémenter mon niveau et surtout vous mettre dans la filière ces patients qui, comme tu nous l'as montré, bénéficient quand même grandement de ces prises en charge. Sur un patient qui est insuffisant cardiaque, donc tu lui fais une première séance, tu vas gagner, tu nous as montré 15-20%, peut-être après une première séance, peut-être après plusieurs séances. Comment Alors, vous voyez ça? sur la réévaluation du pic de VO2 en général, donc c'est 20 séances qui peuvent être de l'ordre de 4 à 6 semaines en fonction du nombre de séances et de la fatigabilité du patient. Il y a certains patients qui vont venir en 2 séances. Au début, la personne qui avait été transplantée venait 2 fois par semaine parce que c'était très difficile. Donc, c'est vrai que en général, il y a l'épreuve d'effort est faite à la sortie du patient où on peut attester en effet des patients très bons répondeurs quand ils sont plus à 20% du pic de VO2 et qui restent quand même consolidés à 3 mois, sous réserve que le patient ait poursuivi le travail de réentraînement, ce qui n'est pas facile quelquefois. Donc en général, Et donc, ce gain est fait pour la sortie auprès de 1 mois à peu près de réentraînement. d'accord, ok. Et donc, ces patients-là, après la répétition potentiellement de nouvelles séances, ça, c'est vous qui le jugez. Ça passe forcément par le cardiologue traitant, le médecin généraliste. Est-ce qu'il y a une limitation de nombre de prises en charge par an, par exemple? Comment ça se passe? Normalement, ce serait censé être 1 fois par an. Mais enfin, de mon côté, en tout cas, celui au CHU Toulouse, il n'y a pas de limite particulière. Si un patient a été transplanté, fait la rééducation juste après la transplantation cardiaque, garde quand même une altération fonctionnelle sévère, mais un petit peu de temps à récupérer, on peut le reprendre 3 à 6 mois après pour faire un complément. Je trouve ça tout à fait pertinent de le faire. D'accord, Mais qui est d'accord. assez empirique. Petit. En tout cas, c'est pas limitant à partir du moment où, d'un point de vue logistique et patient, ça c'est Exactement, oui. possible. Petite question encore sur la coexistence d'atteintes pulmonaires et cardiaques, ce qui est le cas dans le cas que tu nous as présenté, puisqu'on est typiquement dans une sclérodermie, où les atteintes ventilatoires et vasculaires pulmonaires sont pas uniquement liés à la pathologie cardiaque, mais bien une pathologie autonome. Exactement. Comment vous gérez ça en pratique? C'est-à-dire sur ton épreuve d'effort initiale, où tu vas avoir les paramètres cardiaques assez classiques que tu nous as décrits, tu vas avoir une évaluation aussi des EFR de base qui vont t'aider et t'aiguiller. Comment vous faites ça? C'est-à-dire qu'on fait la spirométrie au début de l'effort qui permet de nous aider sur notamment les capacités pulmonaires VEMS et capacités vitales pour se rendre compte un petit peu, on va dire, de la compliance pulmonaire et de l'aspect pulmonaire. Et associé à ça, on va avoir d'autres marqueurs indirects
essayer de rechercher ces limitations respiratoires, en plus de ces volumes respirométriques qui vont être abaissés, qui vont être par exemple une PET CO2, c'est-à-dire une pression expiratoire en CO2 qui va être basse chez nos patients très altérés. Si on associe une PET CO2 inférieure à 20 au repos avec une pente supérieure à 45 de VO sur CO2, il y a une probabilité d'avoir une hypertension artérielle pulmonaire qui est presque de l'ordre de 80%. Donc, c'est vrai que quand on peut associer PET CO2 abaissé avec une pente très élevée, on peut penser du principe… Excusez-moi, je réponds. Oui, je finis mon cours et j'arrive après. Et quand on associe ces paramètres-là, on peut se dire qu'il y a une HTA. Sur les paramètres après respiratoires, en plus de la PET CO2 et de la spirométrie, on peut avoir… les mesures de la réserve ventilatoire qui normalement ne doit pas dépasser 28%, c'est-à-dire un sujet sain ne doit pas aller puiser au-delà de 28% de sa réserve au niveau du poumon, sauf que quand il y a une pathologie respiratoire, il peut aller puiser bien au-delà, ce qui sous-entend que donc soit par l'inflammation bronchique, le dépanchement pleural, la perte de la vasoréactivité, il doit aller puiser dans ses réserves, et ça c'est un autre de ces paramètres-là qui peut nous aiguiller pour dire qu'il y a une limitation respiratoire, en plus donc de la pente, de la PET CO2, de la spirométrie, la réserve ventilatoire peut être abaissée. Également, elle peut être abaissée chez les patients très très sportifs, puisqu'il peut y avoir de l'inflammation sur les bronches. Mais voilà. Mais donc, ce sont ces paramètres-là qui peuvent nous guider avec d'autres mesures. Donc, je ne suis pas spécialiste, quelquefois de l'équivalent CO2 aussi au repos qui peut nous guider. Et voilà, mais ça, c'est plus le domaine des pneumologues et je serai un peu moins compétent. Merci beaucoup Romain pour ces super topos, ces super échanges. Je vais finir avec une dernière question parce que tu m'as l'air bien dans le feu, mais c'est génial de t'avoir parce que tu as la double balance qui est hyper intéressante. Est-ce que finalement ta rééducation, tu nous as montré que le patient insuffisant cardiaque, il allait pouvoir avoir une dyspnée de Shane-Stock, on se le rapproche dans nos têtes potentiellement des apnées centrales. Est-ce que la rééducation peut jouer sur ça puisque tu vas réentraîner le périphérique aussi? Oui. Disons que dans le Dyspnée de Shane-Stock, c'est vraiment une mauvaise adaptation entre les récepteurs périphériques, barorécepteurs, chémorécepteurs et les récepteurs centraux, notamment dus au bas débit cardiaque. Et c'est vrai que si tu restaures un débit cardiaque suffisant, tu vas améliorer, on va dire de manière assez schématique, la communication entre tes récepteurs périphériques et centraux. Et donc, lutter contre cette Dyspnée de Shane-Stock. Et oui, la réadaptation cardiaque permet en tout cas de faire disparaître certaines dyspnées centrales de nos patients insuffisants cardiaques. Ben, un grand, grand merci vraiment, Romain, pour ce super topo et ces super échanges. On n'hésitera pas à revenir vers toi si tu nous le permets pour d'autres topos. Bon courage pour ta journée, bon appétit a priori. Et puis à très bientôt vite. Et merci. À bientôt, salut Clément. Salut Romain.